Bonjour. Jour 12. Trame de lumière dans ce temps de l'Avent. Observez ce morceau de toile qui vient comme former une trame de lumière avec ses différents rayons. Souvent, je suis plus prise dans les drames de la vie quotidienne que dans la trame de lumière. Aujourd'hui, je viens peut-être m'autoriser un recul sur mes drames quotidiens et venir me poser sur la trame de lumière. Ouvrir à la trame de lumière, c'est un peu comme dans Matrix, hein, c'est choisir la pilule qui va nous permettre d'ouvrir les portes de la conscience plus grande et d'oser voir. C'est pas forcément toujours très agréable, mais c'est nourrissant. Cette porte du renouveau m'ouvre à voir plus grand, à agrandir mon point de vue. La trame de lumière nous amène toujours plus grand, plus haut, plus doux, plus juste. J'étais en train de marcher très vite pour faire ce que j'avais à faire, parce qu'évidemment j'étais très affairée. Et là, sur les marches de l'escalier, j'ai vu mon chat qui me regardait et qui s'est laissé, pouf, choir sur le côté, demandant très clairement un câlin. De deux choses l'une. Ou je continuais à stresser et à courir, ou, c'est ce que j'ai fait, quelques instants je me suis arrêtée. J'ai caressé mon chat. Et je me suis rendu compte que mon chat était vraiment loin du drame de ma vie quotidienne, mais bien dans la trame de lumière. Et il m'invitait à un temps de retour au calme, un temps de douceur. Donc, je ne vous invite pas forcément à trouver un chat, si vous en avez un chez vous, ben voilà. Mais le chat, chez moi, peut être un arbre chez vous, une personne à qui vous tenez. Ce qui vous fait retour et vous fait sortir du drame et vous permet de rentrer à nouveau dans ce qui est naturellement chez nous, la trame de lumière. Merci François pour ce partage.